voilà celle qui est mon tout. J'avais pas mangé de pâte aussi délicieuse que celle-là. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Il faut vraiment que tu me donnes la recette. J'avoue, j'avais vraiment trop faim, ça c'est vrai. En fait, je dois dire que ce que tu sais pas, c'est que, en plus d'être musicien, je suis aussi chef professionnel, figure-toi. Avec une spécialité. Je cuisine avec tendresse. Beaucoup de tendresse. Ah oui, je vois. Toi, pourquoi tu fais tout ça pour nous deux, hein? Pourquoi tu es si généreux? Si attentionné? J'aimerais bien savoir. Je te vois plus tout à fait comme avant. Chaque fois que tu m'amènes la petite, tous les matins, et que tu me dis « Léo, tu peux me rendre un service ?» Ben, pour moi, c'est pas un service, pour moi, c'est la vie, ça. Je passe des heures, ma pie, des heures, à regarder par la fenêtre, en attendant que tu reviennes en poussant ce petit landau rose, à attendre avec espoir que tu me demandes le même service. Ça, il faut qu'on y aille maintenant. J'ai vraiment pas envie qu'on passe la nuit sur la route. William, on s'en va à la fin de la chanson, d'accord? Ah, ça va enfin, merde! Merci beaucoup, mes amis. Bravo! Khaled, merci beaucoup pour tout. Ça m'a fait énormément plaisir de te voir. Je vais compter les jours, les heures, les minutes, tout en attendant de te revoir. Dieu te bénisse, ma reine. Dieu te bénisse de tout son amour. Et toi aussi. Pourquoi t'es si pressé? Ah, mon vieux magnifique, t'as été génial. Merci beaucoup. Heureux, tu sais. Évidemment, heureux que tu sois venu me voir, comme d'habitude, mon pote, mais j'ai besoin que tu me rendes un service. De l'argent pour mais moi? Mais non, vieux, pour ma pie, pourquoi je te donnerais de l'argent? Pour ma pie. Elle en a besoin pour la petite, tu comprends? Bien attention, sûr, il faut que ce soit la première chose que tu fasses en arrivant à Vallée du Parc. D'accord, je compte vieux, sur toi. De Khaled pour ma pie. Bon. Allons-y, d'accord, mon pote. Dépêche un peu. Ah, ça va, y a rien qui brûle, hein. Thank you.
Et c'est qui celle-là? Elle, c'est Julie. Julie? Julie? Tu veux dire ta Julie? Oui, exactement. Ah ah, et alors comment va ce petit cœur adoré? Mes amis, lorsque les sentiments sont là, eh bien, les paroles ne sont pas nécessaires. Et c'est pour ça que je vous dirai tout en 7 mots très simples. Hey Julie Couillot, laisse-moi t'aimer. Enfin, ça te fait pas mal. Ça te fait pas mal. C'est toujours un véritable festival, crois-moi. Et vous savez, merci beaucoup de m'avoir emmené pour voir mon cousin. Non, mon chéri, merci à toi d'être venu. C'était très gentil, tu sais. Tu en as un, hein? Et alors? Et voilà pourquoi, mon petit père. Voyons un peu si ça passe avec ce 5. Oui. Bon, ça te va si je pose ce double 2? Oh là, attends-moi. Attends-moi. Attends que tu reviennes, hein, t'inquiète pas. Attention, pas hein, ne va rien poser. Allez, surtout. Vas-y, oui. Bon, et alors? Me voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? On t'a viré de la maison ou quoi, ma chérie? Moi. Non. Et ça, c'est quoi? Non, tu vois bien. C'est quoi ça? J'en suis presque à pleurer, mais vraiment, vous pouvez pas imaginer ce qui se passe. Vas-y, tous ces quartiers qui se trouvent là-bas, dans le César et aussi les petits villages à la frontière de la Guarira, plein de gens sont là-bas chez Carmelo. Parce qu'ils vont mal. Parce que la pluie a inondé leur maison. Et ces pauvres gens sont dans la rue. Bon, ce qu'il reste des rues, ils ont de l'eau jusqu'au cou. Ils ont rien à manger, rien pour s'habiller. Ils ont rien, rien du tout. Et il faut les aider. Alors je suis allée dans le quartier pour chercher des vêtements que je mettais plus, ceux de Julie, tous les vieux vêtements de Carmelo. Je les ai emportés. Je sais pas si vous en avez. Ah, bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai des vêtements. En plus, j'ai aussi quelques matelas et j'ai un peu de nourriture aussi. Viens, accompagne-moi, chérie. Oui, bonne idée. Vas-y, ma chérie. La belle, c'est ça que Carmelo doit apprendre, hein, qu'il faut être un peu plus solidaire avec les gens. Ici, les politiciens parfois ils promettent, mais au final, ils tiennent jamais leur parole. Et ça, on sait. Ah, mon garçon. Tu sais, comme s'ils allaient s'occuper des gens, tu sais bien qu'ils n'en ont rien à faire, fiston. Tout ce qu'ils prennent, regarde, c'est pour leur poche, mon fils. Eh oui, ce qu'ils font, c'est se remplir les poches. Mais tu sais une chose, mon garçon? Quoi, papa? Que nous aussi, maintenant qu'on est bien, maintenant qu'on est vraiment bien, on devrait aider nous aussi. Nous ne sommes pas des politiciens, rien du tout, mais bon, on devrait remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et pouvoir en rendre un petit peu, parce que nous aussi, nous sommes de ces gens, tu m'entends? Eh oui. Ou alors, tu ne te rappelles pas quand je sortais et qu'on me traitait de pêcheur, pêcheur? Ou bien alors quand c'était toi, le fils du pêcheur, le fils du pêcheur?
Ah non, garçon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Ouais, papa, ça a été une période difficile. Mais tu sais quoi? T'as tout à fait raison. On va aller acheter quelques affaires et on va les apporter demain à ces gens pour que tout le monde soit heureux. Ah, voilà qui est parlé, fiston. Oui, je savais que tu avais un grand cœur, mon garçon. Et Annabelle? Annabelle? Que pourquoi nous darte el mundo para nadie es un secreto que tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro y te saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo y que me estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza que no puedo darte el mundo para nadie es un secreto que tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro y te saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo. Merci. Un grand merci à vous, mes amis. Et ici, il y a Calette Morales pour vous tous, bon sang. Merci, Dieu. Merci, mon pote. Merci, mon pote. Merci. Vous avez aimé, merci. 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 Tu as aimé, Dieu? Merci. Tu as aimé, Dieu? Tu as aimé? C'est vrai? Bon, j'espère que ça vous a vraiment plu et que vous avez apprécié, vous entendez? C'est pour ça qu'on est là, hein? Hé, hey, Dilia! Ah non, tu me l'as préparé pour moi, merci beaucoup, ma reine. Tu m'as fait fondre avec cette voix. Oh, enfin, Suzy. Suzy, je sais pas quoi faire de toi. Qu'est-ce que tu vas faire plutôt, toi, de moi? Écoute, ma chérie, tout ça a été un petit peu difficile, un peu compliqué pour moi. Le fait que Julie soit venue jusqu'ici, de l'avoir revue... Je me suis rendu compte que je l'aime toujours. Oui, que je l'aime jusqu'au plus profond de mon âme. Et bon, tu sais, en fait, je ne veux pas que tu te fasses d'illusions avec moi parce que je suis incapable de te faire du mal, ma chérie. Ça oui, ma reine, moi je crois que je ne peux pas t'offrir ce que tu attends de moi. Calette, je ne te demande rien. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu m'aimes comme tu aimes Julie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'aimes comme tu sais si bien le faire, Calette. Comme ça, petit à petit, oui. Alors, qui sait? Peut-être qu'un bon jour, tu finiras par m'aimer. Enfin. Écoute. Tous les deux, on va passer du bon temps, ok? Voilà. Très bien. Santé à nous, alors. À nous. Ah, voilà Julie. Ah, Nelly. Comment ça va? Bien. Nelly! Papa. Ma chérie. C'est génial que vous soyez là. Alors, quoi de beau, chef? Alors, comment ça s'est passé, le trajet? Eh hey chef, la route, elle est comme la politique de ce département, avec des trous partout, mais bon, j'ai confiance quand vous serez sénateur. En fait, ce sera tout lisse et voici votre assistant. Eh oui, ah. En fait, mais pour le moment, votre assistant va se coucher parce que je suis complètement lessivé, ainsi donc. Merci, Sasa. Chef. Merci pour la compagnie. Repose-toi bien. Et toi, pour que tu transpires autant? Je faisais de l'exercice, parce qu'avec ce beat que j'ai pris, là... Comme un vrai beau gosse. Ouais. Assieds-toi, il faut qu'on parle d'une petite chose, toi et moi. Hmm? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me dire la vérité. Tu as quelque chose avec Sasa? Ah, ma chérie. Mon amour. C'est quand même pas rien, le fait d'aller jusqu'à Cartagène pour t'accompagner dans un tel voyage à cette heure-ci. Et en plus... Aller mettre une raclée au fils d'Anturio, je suis au courant, ouais. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Raconte-moi, raconte-moi. Oh, ce qui se passe, c'est qu'ils se font la guerre tous les deux et je comprends pas pourquoi. Sasa et Will sont très machistes et ils voudraient bien que je fasse ce qu'ils veulent, mais non.
J'appartiens ni à l'un ni à l'autre. Je fais ce que je veux et si je veux être seule, eh ben je reste seule. Ou alors tu veux que je sois avec Will? Pourquoi je voudrais que tu sois avec Will? Non, avec aucun des deux. Bon, bah tant mieux. Alors on est d'accord, papa. Bon, je vais me coucher parce que j'ai vraiment très sommeil. Cette route était super fatigante, comme dit Sasa. Repose-toi. Merci d'être venu. Tu m'aides avec la valise, s'il te plaît, papa? Ouais. Bon alors, je dois tous vous remercier pour cette soirée si merveilleuse. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Quel talent tu as, Caleb. C'est très gentil, professeur. Merci à vous pour nous avoir accompagnés. Oui, de tout cœur. Et bon, je vais me coucher parce que je suis mort. Mais bon, pas besoin de vous dire que vous êtes ici chez vous. Que Dieu le bénisse, mon grand. Merci beaucoup. À demain, bonne nuit. Merci. Bon, alors à demain, docteur Burgos. Eh bien, à demain. Passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Eric, à plus tard. Attendez un moment. J'ai besoin de vous demander quelque chose. D'accord, dis-moi. C'est quoi votre plan avec Evelty? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoutez, c'est que je commence juste à connaître ma mère. Mais je sais qu'elle a beaucoup souffert. Alors je veux savoir si vous jouez avec elle ou bien si au contraire c'est sérieux. Eric, ça me plaît beaucoup que tu t'inquiètes pour ta mère. Voilà la vérité. Moi, je l'aime énormément. Et c'est très sérieux entre elle et moi. Je te le dis, c'est très sérieux. Alors tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Je vous fais confiance. Bien sûr que oui. Bonne nuit, jeune homme. Attention à son hernie parce que ce vieux, il est fragile du dos. Et si vous me le cassez, ça va être compliqué pour moi. Et tu vois, ça va être un peu compliqué alors, pour toi. Gentil, avec une jambe plus courte que l'autre et ton dos qui te fait mal, t'es foutu, là. C'est fini pour toi. Attention quand tu vas le faire monter. Une seconde. Parce que ça, oui, hey. Regarde. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Vous déménagez? Vous êtes en train de vider les affaires du frigo? C'est bon. Attends. Oh non, mon chéri. Donne-moi ça. En fait, la famille Morales et moi, on a été récupérer ses affaires. Dans tout le quartier, des petites choses dont les gens n'ont pas besoin. Pour toutes ces personnes là-bas qui se sont retrouvées dans la rue à cause des pluies. Regarde. Ouais, pour porter les premières nécessités. Tu sais comment c'est. Tu sais quoi, Miguel? Regarde. Ça aussi, c'est pour ces gens, si vous voulez. En pensant à ceux qui ont tout perdu, ils ont besoin de changer de chemise, de se mettre une casquette pour le soleil. Dans ce cas, il y a des chemises et des casquettes. Alors, emportez-les donc. Non, c'est vrai, les politiques, vous êtes vraiment des enfoirés. Vous savez pas ce que c'est que la charité. Ça va leur servir à quoi, hein? Une casquette et un t-shirt pour les gens qui sont vraiment dans le besoin, c'est n'importe quoi. Je pourrais passer la journée à écouter tes sermons sur la charité. Mais en vérité, j'ai pas le temps, alors prends-les, s'il te plaît. Non. Allez, c'est bon, ça va aller. Ça va. Miguel. Ah, tiens, chérie. Ça pèse très lourd, aidons la petite. Non, très mal, ils n'ont rien à se mettre. Les casquettes, ça leur sert pour le soleil, les t-shirts pour se changer, c'est très bien. Pour des gens dans le besoin, on ne chipote pas, voyons. Doucement. Allez, donnez-moi ça. Vous ne savez pas du tout ce que je fais pour les gens. C'est quand même 3 cartons, ouais. Voilà, les gens vont être contents, vous verrez. Alors dis-moi, cousin, tu vas rester vivre ici avec nous? Tu dois rester. Tu dois rester, tu vas être bien ici, ouais, tu vas jouer de l'accordéon ou autre chose. Je vais t'apprendre, je vais t'entraîner sur le chemin de la musique, hein. T'en dis quoi? Tu vas faire partie de cette dynastie désormais? Je voudrais bien, seulement j'ai un engagement avec le séminaire qui m'a accueilli quand mon père est mort. Je dois accomplir ma tâche. Engagement? Accomplir sa tâche? Eh, mais c'est un vrai petit général, ce garçon. Bien, bien, mon garçon. Tu es très mûr pour ton âge, c'est très bien. Je te félicite, cousin. Hé, hey cousin, s'il te plaît, tu prends soin de ma mère. Tu peux compter sur ça, petit cousin. Parole de cousin, t'entends? Hé, hey, petit cousin, tu crois que tu as hérité des talents culinaires de Tati? C'est un délicieux petit déjeuner, ma parole. Je suis bien d'accord. Oh, eh bien, tu apprends très vite, t'es intelligent, toi, hein? Parfait. Bon, mon garçon. J'aime discuter, mais il faut que je m'en aille parce que je vais arriver en retard pour mes engagements universitaires. Comme je le dis, les engagements. Exactement, oui. Salut, cousin. Bénédiction, mon garçon. Entendu. Remercie ma tante pour le petit déjeuner. D'accord. Léo! Hé, mon vieux! Ouvre-moi, mec, j'ai une énorme nouvelle. Allez, viens, vite. Le grand Sasa. Allez, ouais, viens, dépêche.
C'est sympa alors, de t'avoir ici. J'ai chopé ce mec et je lui ai foutu une raclée si tu avais vu ce qui s'est passé à Carthagène. Aki, va doucement, qu'est-ce qui s'est passé? Ah Willy, tu es un petit gros que quand Julie va être blablabla bla bla, et pam, je l'ai attrapé, je l'ai mis KO. Hey, Mappy est ici? Bien sûr que oui. Hey, oh Mappy! Ah, c'est cool ça. Ah ouais. Salut Mappy, comme tu es belle. Merci. Quel miracle de te voir, dis donc. Ah oui, on dirait que tu as hérité des joues de ton parrain, toi. Bon sang, petite merveille. Bon, ça tombe bien que je te vois. De là-bas, Calette t'a envoyé cet argent. Ça m'a coûté un bras pour venir jusqu'ici. Quel argent? Ah, ok. Sûrement pour t'acheter une maison. Mets-le dans ma poche. Ouais, c'est ça, pour t'acheter une maison. Hey, attends, continue l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as parlé à Julie, tu lui as avoué tes sentiments, hein? Ouais, mon pote, on est que des amis, tu sais. Comment ça? Oui, des copains. Eh oui, mon pote, rien d'autre. Je lui ai dit exprimer, chanter, mais vous voyez les enfants entre nous, il n'y a rien à faire. Ce cœur est occupé par un seul nom, et il commence par le cas de Calette. Ce bébé... Alors, merci pour tout. Mon garçon, avec plaisir, tu sais que tu comptes beaucoup pour moi et tu es ici le bienvenu quand tu veux, d'accord? Bien sûr que oui, maman. Est-ce que tu es bien sûr de bien connaître le chemin? Ouais, je le connais. Bon. En plus, là-bas, il y a Sœur Luz qui m'attend. Bon, très bien, mon chéri. Que Dieu te bénisse. Voilà. Au revoir. Au revoir. Je t'aime. Maman, je suis pressée de te revoir. Moi aussi, mon chéri, je t'aime fort. Et n'oublie pas de m'appeler pour que je sache que tu es bien arrivée, hein? Bon. Si jamais vous êtes fatigué d'obtenir toujours les mêmes résultats, arrêtez d'essayer toujours les mêmes méthodes. Albert Einstein. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous sortez une feuille, on va faire un test. Bon, on ouvre quelque chose. Je veux que vous me répondiez avec toute la sincérité du monde. Qu'est-ce que le cœur? À quoi sert-il? Comment fonctionne-t-il? Ou est-ce qu'en définitive, ça n'est rien de plus qu'un morceau de chair? Ou s'il s'avère, au contraire, que le cœur est un sentiment? Ce type doit être en mal d'amour et de sexe, vieux. Mec, c'est à croire que le truc du prof, il fonctionne plus. Mon vieux. Oh, attention. Tu vois que les médecins aussi, ils peuvent tomber malades, vieux. C'est évident, ce que le docteur a, ça s'appelle l'amour. Ça, oui, c'est clair. Oh, oui, on dirait. Mais prépare ton stylo, s'il te plaît.